La grammaire est une chanson douce. Vraiment ? La grammaire, une chanson douce. Les élèves restent suspicieux. Alors, on se glisse dans la peau de Mademoiselle Laurencin, passionnée, enthousiaste, mais sous l'œil toujours présent de la terrible inspectrice, Madame Jargonos. Finalement, on se souvient du beau message d'Orsena et on chuchote, en secret, à nos élèves. La grammaire, on peut la visiter. Les mots, on peut les vivifier. Les fables, on peut les transformer. Voici donc les travaux réalisés par les élèves de 6e du collège Maurice Genevoix de Decize lors de ces dernières années. Réécrivons les fables à la manière de l'Oulipo. Mademoiselle Laurencin, l'enseignante de Jeanne, est passionnée par les fables de La Fontaine. Ce n'est pas un hasard, Éric Orsena a consacré un ouvrage à l'auteur, La Fontaine, une école buissonnière. Tout comme les membres de l'Oulipo, les élèves de 6e 1 ont passé les fables à la moulinette de la contrainte S+7. Il s'agit de substituer les mots de la fable par le 7e mot de même classe grammaticale qui suit dans le dictionnaire. On obtient des textes absurdes, mais étonnants de poésie par leurs rapprochements inédits. Et on se plaît alors à rechercher la fable dissimulée en s'aidant de la mélodie des vers. Saurez-vous toutes les retrouver ? Le périple de Jeanne et Thomas. Orsena, dans La grammaire est une chanson douce, a su créer une véritable géographie des mots, invitant le lecteur à un périple inattendu dans une grammaire vivante et habitée. Pourquoi ne pas demander aux élèves de cartographier cet univers imaginaire ? On constate alors, avec plaisir, que les représentations sont aussi variées et riches que l'esprit créatif de nos géographes en herbe. Ces travaux ont été réalisés durant les années 2018 et 2019, mais Covid oblige, nous n'avons pu les exposer jusqu'à présent. Je remercie mes grands élèves de me les avoir laissés à disposition. Jouons à la nommeuse, des guirlandes de mots rares et étonnants. S'il est un personnage intrigant dont la grammaire est une chanson douce, c'est la nommeuse. Installée dans son jardin,
la vieille dame passe la journée à fouiller dans son dictionnaire pour trouver des mots rares et oubliés. Elle les prononce alors, les confiant au souffle de son ventilateur afin de leur redonner vie. Les élèves de 6e 3 et 6e 1, munis de leur dictionnaire, ont participé à ce travail essentiel de revivification du vocabulaire en constituant des guirlandes de mots rares ou étonnants afin que vous puissiez les redécouvrir.